chanteurs, pas de patineurs parce que sur Sap ce serait difficile. Malheureusement. Je vous propose tout de suite de les retrouver. Vous connaissez bien son visage, c'est Romain Cortez. Romain, vois-tu, Philippe a déjà 7 victoires et hier il a gagné avec cette chanson qu'on rejoint. Bonjour, Romain. On réécoute. Permets de passer à la main. Céline, là tu es en train d'embrasser Céline Marcoux qui nous chantera de l'opéra tout à l'heure. Et puis ne te prive pas d'embrasser Mylène et Sonia, elles ont 16 ans toutes les deux, elles sont danseuses. Et Sonia ou Sonia Mylène? Sonia et Mylène. Sonia et Mylène, ça y est, hein, tu as bien situé, situé tout le monde. Voilà, et bien entendu, à la fin de l'émission, on fera appel à vous. Vous choisirez qui vous souhaitez voir revenir demain. Bien, Murray Head, Philippe Candelon, on s'amuse comme des petits fous. Ça marche. Maintenant, je vous propose de retrouver Romain Cortez. C'est un jeune homme qui a 16 ans et demi, bientôt 17. Il est avec nous depuis 8 jours maintenant. Il est bête. Il a mis la fourmi dans son caleçon. Je ne sais pas si vous avez vu. Tu nous diras quel effet ça fait. Hein, d'accord. Allez, Romain, que nous présente, enfin que nous représente Nicolas tout de suite. Premier talent de l'été. Ben oui, parce que là, vous avez tout dit, Marie-Ange. Hein, j'avais préparé une petite phrase. Est-il encore utile de le présenter, Romain Cortez? Mais tous nos téléspectateurs le connaissent maintenant. Eh oui, c'est ça. C'est sa 9e participation aujourd'hui. Il n'a pas mis de fourmi dans son caleçon. Hein. Ah non, non. Non, parce que pour chanter, ça pourrait troubler, ça. Voilà, il va nous interpréter le temps des cathédrales, si je ne m'abuse. Elles sont toutes amères. Et je vous demande de faire un triomphe, s'il vous plaît, à Romain Cortez. Allez, Romain ! C'est une histoire qui a pour lieu Paris la belle en l'an de Dieu 1482. Histoire d'amour et de désir, les artistes anonymes de la sculpture et de la rime tenteront de vous la transcrire pour les siècles à venir. Il est venu le temps du cathédral, le monde est entré dans un les étoiles, écrire son histoire dans le verre ou dans la bière. Pierre après pierre, jour après jour, de siècle en siècle avec amour, il a vu s'élever les tours qu'il avait bâties de ses mains. Les poètes et les troubadours ont chanté des chansons d'amour qui promettaient au genre humain le meilleur lendemain. Il est venu le temps du cathédral, le monde est entré dans un voulu monter vers les étoiles, écrire son histoire dans le verre ou dans la bière. Il est venu le temps du cathédral, le monde est entré dans un les étoiles, écrire son histoire dans le verre ou dans la bière. Bravo. Merci. Romain, on entend les applaudissements même si on est un petit peu loin de vous. Mais Murray et Philippe ont apprécié. Ça va Romain, vous vivez bien toute cette expérience avec nous là depuis plusieurs jours? Bah ouais. Ouais, ça va. Ouais. Alors on était en train de parler de musique. Il chante bien, hein. Il est jeune, hein. Oui, il chante très bien. Ouais, il est jeune, très mature. Les très mature. Jeunes talents, ils sont mieux que les plus âgés. Ouais. Hein. Sûrement. Mais moi, j'aime pas faire des comparaisons. Entre, vous avez raison. Chacun a une personnalité. D'ailleurs, vous en découvrirez plusieurs aujourd'hui, puisqu'on a plusieurs talents. Et vous nous direz avec qui vous souhaitez, enfin qui vous souhaitez voir revenir demain. Entrer.
Voilà, mignonne petite fille qui est peut-être aussi un futur talent. Alors bien sûr, vous avez vu Romain, vous avez vu Céline et Mylène et Sonia. Le numéro de téléphone, je vous le redonne, c'est 0892 68 33 33. On attend vos appels pour retrouver l'un de nos talents demain. Et pas les résultats, c'est jour férié, je sais pas. Qu'est-ce qui... c'est où les résultats? Vous les avez planqués quelque part? Ah, c'est là. Excusez-moi. Aïe. Excusez-moi, je suis désolé, pardon. Voilà. Donc, ça va pas, Pépé. Avec 55% des votes, le gagnant est... Le numéro 1, Romain. Nouvelle victoire. Bravo, Romain. Romain qui continue donc la semaine et à qui Céline, notre chanteuse, qui a eu un joli score aussi, est bravo en train d'embrasser. Allez, on rejoint tout voilà, venez, venez, bravo, on pourra faire bravo. Un bisou à Mylène et Sonia également. Murray, merci infiniment d'être venu passer cette journée avec nous, ça a été un vrai bonheur. Philippe, entraînez-vous bien pour le scandaleux retour qui redémarre en septembre. Je serai bientôt dans la région à Grenoble aussi. Ah bah voilà, donc à Midex, vous pourrez aller admirer Philippe. Merci à toute l'équipe et puis on va faire un bisou à nos amis des talents de l'été. Vous en avez tous, même si vous revenez, pas tous demain. En tout cas, j'espère que vous serez au rendez-vous. On sera là sur la plage. Bisous à tous. Rendez-vous tout de suite avec Julien Lepers en question pour un champion. Merci au public. À demain. À demain.